أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mes frères et chers, inshallah, et je partage avec vous aujourd'hui la recette que on doit vous donner, le secret de la tif. Un secret de la tif, c'est pour sortir dans la difficulté. Ceux qui n'ont pas qui ont mal d'avoir de l'argent. Beaucoup de gens qui travaillent parfois, tu travailles durement pour avoir de l'argent, tu n'auras pas le moment que tu voulais avoir de l'argent. Ça sera difficile pour avoir de l'argent. Donc même tu fais, même dans n'importe quel domaine que tu peux, tu travailles encore. Inch'Allah, quand tu pratiques, quand tu conduis, tu pratiques ça et ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras ce que tu voulais avoir. Tu souhaites avoir. Inch'Allah. Et la tif, comment pratiquer la recette? Et celles qui n'ont pas, qui ont mal d'avoir de l'argent, financier, dans les financiers et opportunité. Inch'Allah, dans l'abondance aussi. Beaucoup de gens souffrent comme ça. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va vous donner la secret pour sortir dans cette difficulté. La recette pour vous sortir dans cette difficulté qu'on va vous donner aujourd'hui. Le secret de la tif. Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as pratiqué ce recette, c'est fini maintenant pour les difficultés d'argent. Inch'Allah. C'est combien de jours que tu dois pratiquer ça recette? C'est 21 jours que tu dois le pratiquer. 21 jours. Tu dois zikrer le latif. C'est simple, ça ne te prend pas pour 30 minutes comme ça pour pratiquer la recette. Tu dois pratiquer le latif. Et dans vos écrans comme ça, le latif. Il y a la if, tu dois zikrer la if. Après la prière de soupir. Précisément que après la prière de soupir. Dès que tu as prié de soupir, tu fais il y a la latif 1111 fois. 1111 fois. Tu fais de l'air latif, il y a la latif 1111 fois. Et quand tu as fini de faire la latif 1111 fois, comment faisait? Voilà la façon que tu allais faire. Tu fais la latif 11 fois. Et tu fais ton doigt. Si tu fais salat à la Nabi ou salat au Fati, préférence, le salat le plus préférence de moi-même, c'est salat au Fati. Mais, si tu as fait salat qui est le plus simple de c'est vous qui vous voulez voir mais quel salat que vous tu dois le faire. Mais moi ce salat le pratique tu dois le faire. Inch'Allah. Tu sais moi ce salat le pratique mais c'est à vous de choisir laquelle salat que tu dois le faire. Inch'Allah. Donc quand tu as fini de salat le fati ou n'importe quel salat, Inch'Allah, salat al nabi simple seulement, donc tu fais ça 10 fois chaque. Quand tu as fini 11 fois, après encore tu fais 100 fois de yalatif. 100 fois, tu fais encore le salat al nabi 10 fois. Tu fais ton doigt. Et encore, tu fais 1000 salat al-fati. Et tu fais 1000 yalatif. Dès que tu as fini, fais 1000 yalatif. Tu fais des yalatif 1000 fois. Et tu fais le salat al-fati al nabi. Ici, tu fais le salat al-fati ou le salat al nabi. Le salat al nabi est 100 fois. C'est comme ça, c'est 100 fois que tu fais. Quand tu as fini de faire 1000, tu fais 100 fois le salat de l'Allah. Après, quand tu as fini de faire ça, tu fais ton doigt. Et tu continues ces salats que tu dois le faire. Les salats que tu dois faire dans vos écrans. Dans vos écrans, les salats que vous allez le faire. Voilà ça, tu vois, c'est l'adif. Tu commences par l'adif. L'adif salli ala al-mutari wa ala alihi wa asabihi al-abrari. L'aïf salia ala al-mutari wa ala alihi wa asabihi al-abrari. Comme vous le voyez, Inch'Allah, tu fais les zikris 111 fois, tu dois le faire. Tu fais ça 111 fois. Tu commences par 11 fois, tu continues en arrivant 100. Tu fais ton doigt. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et tu continues à la prochaine, les jours encore. Tu commences dimanche. Tu dois recommencer le dimanche. Tu dois recommencer. Dimanche, tu commences après la prière de soupir. Et quand tu as fini de faire ça, dimanche, pour dimanche c'est fini, tu continues lundi comme ça, ainsi de suite.
pareil, c'est comme ça que tu dois le faire. Les nuits, c'est pareil, mardi jusqu'à ce qu'on te durant 21 jours. Durant 21 jours, mon frère, Inch'Allah. Avant 21 jours, Inch'Allah, si tu es, il y a quelque chose que tu souhaites avoir dans ton cœur, Inch'Allah, tu auras ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Tout ce que tu voulais avoir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras ça, mon frère. Inch'Allah, tu dois sortir dans la difficulté, les problèmes d'argent, tu dois les sortir, ça. Inch'Allah. Ces recettes, c'est moi aussi, je pratique ces recettes. C'est mon djarrabot, c'est quoi on dit, c'est mon djarrabot, mon frère. Pratiquez ces recettes et vous revenez et commentez dans ces recettes. Inch'Allah, vous allez voir. Quand vous allez pratiquer ces recettes, vous allez comprendre, Inch'Allah, vous-même. Et seulement que c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ne vous oubliez pas de vous abonner. Et aimez et partagez notre vidéo pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Inch'Allah, c'est votre serviteur, Boni Hassan, Inch'Allah, à la prochaine.